Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mon fils qui a désormais 1 an. Voilà, il a 12 mois et il a beaucoup grandi. Il y a eu beaucoup de nouveautés dans sa petite vie. Et je vais faire le point avec vous comme on a fait à 9 mois, à 6 mois et à 3 mois. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par son développement. Où est-ce qu'il en est? Il a pris en taille. Voilà, il est à 79 cm de taille. En poids, il a perdu. Parce que là, il est à 10,7 kg. On va dire qu'il grandit et il maigrit. Et je pense que c'est aussi parce que son activité physique a vraiment s'est intensifiée, tout simplement. On va dire. Il se promène dans la maison, il rampe un peu partout, il est debout, il marche en s'appuyant sur les objets bien sûr. Il n'a pas encore fait ses premiers pas tout seul, mais je pense que ça ne va pas tarder. Donc il est tout le temps en activité physique, ce qui fait que son poids, sa courbe de poids quand même a considérablement ralenti et ça s'est un petit peu stabilisé les 2 derniers mois. Parce que jusqu'à 9 mois, il évoluait vraiment, il était à 11 kg et tout. Après, au 10e mois, il a perdu 500 grammes. Ça m'a un petit peu inquiétée. Mais après, ça s'est stabilisé. Donc là, il est à 10,700. Au 11e et au 12e mois, c'était à peu près le même poids. Et le médecin m'a rassurée, c'est normal, il grandit, tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'a pas encore fait les premiers pas tout seul. Je pensais qu'il aurait fait ça avant son anniversaire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais il se porte bien. Il est beaucoup plus vif dans ses mouvements. On voit bien qu'il sait un petit peu ce qu'il fait quand il se met debout, quand il va sous une table. Il évite les obstacles. Il évite même de se faire mal. Il a conscience qu'il peut... Il peut se faire mal, bien sûr qu'il se fait quand même mal, mais il sait éviter quand même les objets. Ça c'est un super bon point parce que voilà, il est presque inarrêtable quand il se met à bouger. Deuxième point, son alimentation. Son alimentation a changé. Oui, ça a changé. Alors, ce qu'il mange en ce moment, c'est vraiment des purées de riz, de sauce tomate, poulet, poisson. Il aime tout ce qui contient de la tomate. Les purées toutes vertes, là, il n'aime pas vraiment. il n'aime pas beaucoup, mais quand même, ça m'a beaucoup rassurée de voir qu'il avait un appétit grandissant et qu'il picorait un petit peu de tout. Parce que, étant donné qu'il devait commencer la crèche, ça a été... une période de transition aussi assez importante pour lui, donc j'étais très inquiète pour son alimentation. Et au fil des semaines, il s'est vraiment mis à manger beaucoup plus qu'avant. Il refuse toujours les laitages. On va dire qu'une fois sur 10, il accepte de prendre un yaourt ou du fromage, mais il refuse tous les laitages qu'on lui propose en crèche ou que je propose à la maison si ce n'est pas le lait maternel. Donc, tout ça pour vous dire que je l'allaite encore. Je l'allaite encore parce que voilà, déjà, je voulais pas le brusquer avec trop de changements en même temps. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... alors, au 10e mois, il a eu quoi? Il a eu ses dents. Il a eu ses premières dents à 10 mois. Yay! Il a eu 4 dents de suite. Donc... il y avait cette phase-là où il était très, voilà, il n'était pas de bonne humeur, il faisait de la fièvre, il pleurnichait. Donc là, je me suis dit, je ne vais pas non plus le forcer à prendre le biberon pendant cette période-là qui était assez compliquée pour lui. Ensuite, 11e mois, il s'est amélioré côté alimentation, côté purée, tout ça. Donc je voulais vraiment qu'il s'y habitue, qu'il prenne plus en quantité, parce que son problème c'est vraiment les quantités. Il commence bien et ensuite il est distrait et puis il prend 3 cuillères et ensuite voilà, c'était un petit peu ça le problème. Donc je m'étais dit, s'il prend pas de biberon, il faut quand même qu'il prenne de bonnes quantités de purée pour équilibrer tout ça.
C'est ce que j'ai fait au 11e mois. Et au 12e mois, il a commencé la crèche. Donc, avec ce changement-là, c'était pas le moment, je trouve, de le sevrer. Donc, depuis un mois, il va en crèche et ça commence à être très bien. Parce que c'était compliqué au début. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était pas facile. Les 2 premières semaines, c'était vraiment pas facile. Ni pour lui, ni pour moi, ça a été compliqué. Mais là, il s'y est habitué. Il ne fait pas encore des journées complètes, complètes. Mais il y a eu beaucoup d'améliorations en tout cas. Ceci dit, la crèche a aussi eu un impact sur son développement, surtout son comportement, parce que bien évidemment, il est resté confiné pendant un an avec juste ses parents et les proches de la famille. Il n'a pas vu grand monde, il n'a pas eu le temps de s'habituer à d'autres personnes. Et là, tout d'un coup, on l'emmène en crèche, il y a d'autres bébés, il y a les assistantes, il y a tout ça qui est nouveau. Il se sépare de nous pendant de longues heures. Ce qui n'avait pas l'habitude de faire. Et donc, ça a eu un gros impact sur son développement, mais de manière vraiment positive. Il est plus sociable, il s'est habitué à avoir d'autres personnes qui prennent soin de lui. Il y a même des matins où je le dépose et il ne regarde pas si je suis là encore ou pas. Il est vraiment, ça lui a fait du bien et quand on va le chercher, on voit qu'il s'est intégré, il joue, il est. Voilà. Bien sûr, au début, c'était pas comme ça. Je vous ferai une vidéo à propos si ça vous intéresse, pour vous dire un peu comment ça s'est passé, toutes les étapes, pour lui comme pour nous, à propos de la crèche. Donc, voilà. C'était ça les nouveautés dans sa vie, en gros. Côté santé. Alors, bien sûr, il a commencé la crèche et donc il y a les petits bobos qui se sont intensifiés, on va dire. Les médecins m'ont prévenu quand même que, étant donné que l'hiver dernier, les enfants, ils n'ont pas vraiment on va dire, fait leur immunité, voilà, parce qu'ils étaient tous confinés. Cet hiver, cette saison, ils s'attendent vraiment à ce qu'il y ait plus d'enfants malades, donc il faut pas trop s'inquiéter. Donc les gastro, déjà il y a eu en crèche à sa première semaine, il y a le rhume qui se passe vraiment d'un bébé à l'autre. Donc on a plus de petites maladies, mais c'est tout à fait normal. Et donc il est grippé quand même très souvent là. Il nous a ramené de la grippe, il a échappé à la gastro. Il y a quoi d'autre côté santé? Côté santé, il a toujours ses petits soucis d'eczéma, mais on va dire que ça fait partie de notre vie maintenant. On sait comment se comporter quand il a des crises d'eczéma là. Mais pour le reste, tout va bien. Les vaccins sont à jour. Je vais lui faire le BCG quand même parce qu'on nous a conseillé de le faire quand même en crèche. Et oui, donc la santé, ça va, ça se gère. Tout va bien. Rien de très très grave. Alors, santé, alimentation, développement, je pense que j'ai fait le tour. Il y a eu quoi? Il y a eu aussi son anniversaire. Donc il a vraiment eu une période très intense. Il a eu son anniversaire, ça s'est très bien passé à l'école, ils ont célébré, on a célébré à la maison. Ça a été aussi l'occasion pour nous de revoir nos proches parce que le confinement, pour l'instant, il n'y a pas de confinement et c'était super sympa. On a eu un 12e mois assez intense, autant pour lui que pour moi. Je pense qu'il n'a jamais vu autant de monde et ça lui a fait beaucoup de bien. Voilà les petites nouveautés. J'attends juste qu'il fasse ses premiers pas. Et on verra pour la suite. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de revenir pour les prochaines vidéos. Voilà, je vous salue. Passez une bonne journée. Bye bye.